C'est Zulu 58 et c'est ma première vidéo et je suis en compagnie de Code 58 pour faire et non lui là The King il dégage pour faire une série sur Euro Truck Simulator 2. On va faire le tour du monde, le rêve de tout le monde. Sauf que nous en fait on le fait dans un jeu. Alors Code 58, Salut à tous. allez va chercher ta remorque. Donc là on va aller en direction de Paris si monsieur veut bien démarrer, sinon je vais lui défoncer sa gueule. Excusez-moi, faut que je me calme. Il va me rentrer dedans ce connard. Mais t'es con! Il peut pas... Ah, attends, laisse-le sortir, sinon vous allez faire une collision. Laisse-le sortir. Allez, avance! Tiens, mais pas chier! Je sais, je m'énerve vite. Oui, vu qu'hier, il a... Est-ce que je raconte l'anecdote ou pas? De quoi? Qu'il t'a fallu un 3 quarts d'heure pour arriver à juste... Merde, pas 3 quarts d'heure, mais si! Bah il t'a... Ah merde, comment je pourrais expliquer ça? Il m'a fallu une demi-heure pour acheter un garage, quoi. Oui, parce que en fait, il était trop excité. Par contre, t'es parti où? T'es parti à quelle entreprise? Pourquoi je mets des suggestions activées, je suis con. Bouc, je sais pas quoi là. Boug. C'est en dehors de la ville ou c'est dans le centre-ville? Non, au bouddhisme. Oh goody, bah oui, ok, j'arrive. Alors, voyons. Bientôt, je vous ferai une vidéo où, très courte où je vous présenterai toute ma config. Donc, je vous dis, hein, déjà, j'ai une Nvidia GeForce 600 ou 500, je sais plus. Je sais plus exactement ce que j'ai. Par contre, j'ai un Intel Core i5. Et c'est un Windows 7 familial. Et c'est. Je vais pas dire la marque, non. J'ai 4 ports USB 2.0. J'utilise un casque qui a coûté 3,50 €. Et j'ai acheté à Cultura. Bref, voilà. C'est le gars qui commence à s'enfonder. Bon, voilà. J'ai pas acheté un Blue Yeti, voilà. C'est pas un Blue Yeti. Merde, pas un Blue. Un Blue Yeti. Et je pourrais pas faire vidéo tous les jours car ce n'est pas mon PC. Je dois le partager avec des gens. C'est bien dommage. Mais bon. Je économise pour m'acheter un PC gamer qu'à moi. Mais bon. J'en suis pas encore à... Ah bon, faut que j'attende encore un peu. Avoir un peu plus d'argent. Allez! Allez, mémé! Appuie sur le champignon! J'ai changé, hein, c'est plus... Ah, c'est pas chauffeur, si... Non, là, c'est... Mémé, si t'es championne, appuie sur le champignon! Mémé... ah ouais, putain, lui, mais il est presque sur la voie de l'autre. Mais il est taré, l'autre. Il se sent pas bien. J'ai mis... Attends, j'évite de mettre les pleins de phare, là. Moi, je me suis pris plein par la gueule. Ça de la belle étendue, t'as quel point il s'est garé. Mais fais attention, hein. Je te rappelle qu'il y a des admins des admins en bac, maintenant. C'est comme des bacs, c'est les admins. Donc, quand tu vois quelqu'un, éteins tes pleins de phare, c'est mieux. Dans les tournants, genre... Ou toi t'es devant, tu me préviens s'il y a quelqu'un, que je t'aime bien mes pleins phares. Désolé, je suis un peu malade aussi, donc je vais tousser. Excusez-moi. Je t'aime mes pleins phares au péage parce qu'en fait, le problème que je vais avoir, c'est le que si... On descend, un petit coup de frein encore. Mais t'as rien toi, moi j'ai 22 tonnes un hein, coucou donc Bah, je suis bien derrière toi. Ouais, bah oui, il y a toujours la limite de vitesse. Ça, c'est bête, hein, je trouve. Faut vraiment qu'il l'enlève. Oui, parce qu'en multi, il y a l'obligation d'avoir la vitesse. Comment? L'auto-vitesse. Enfin, c'est pas l'auto. Comment on pourrait dire pas l'auto-vitesse, mais. Enfin, le régulateur. Voilà. Le limitateur de vitesse, c'est pas le régulateur. C'est-à-dire, je peux me réguler à 60. Mais, je suis limité à 90. Je peux appuyer sur l'accélérateur. Mais à 90, à fond. À 90, ça va stopper net mon camion. Ça pour le stopper, ça va bloquer ce truc. Oui. Bien, c'est punaise. Plein phare. J'aime bien avoir le plein phare, mais par contre, ça m'aveugle parce que ta remorque est blanche et orange. Donc, avec des couleurs bien éclatantes. Donc, en fait, je vois un gros point. Enfin, j'arrive à distinguer Euro Gaudi, mais je vous. C'est vraiment éclatant, tu vois. C'est. Quand on est derrière toi, comment dire qu'on a l'impression. Tu veux pas prendre des remorques, je sais pas, noir. Ça, c'est
J'ai pris la seule qu'il y avait, donc. Oui, je sais. Non, mais vraiment. Non, ça fait rien. C'est juste que si je m'approche un peu trop, je peux même pas. En nuit, en fait, si tu veux. Bon, voilà, des fois, je vais éteindre mes pleins phares pour qu'ils puissent lire les panneaux. Voilà, lisez le panneau, vous avez lu, c'est bon. On sort. Oui, c'est. Oui, on va à Paris déjà. Et après, on va à Calais. Je ralentis à 80 parce que je vais éviter de me retourner dans le. Ah, ça va, c'est un truc direct. Oh, je suis à 91. Ouais, Oui, mais des fois, c'est la descente qui te permet d'accélérer à 1, 2, mais après, le truc, il se dépêche de te. De. Tu sais, t'auto-freiner pour que tu redescendes à 90. non, mais du coup, moi, ça. Vu le poids que j'ai derrière, j'enlève, je mets au neutre et puis ça part tout seul, hein, en roulis. Hein. Oui, mais sauf que moi, je te rappelle que je suis en automatique. Moi 5. aussi? Oui, mais toi, t'es en automatique réelle. Moi, je peux pas passer mes vitesses. T'es en automatique réelle. Bah oui, non, c'est bien ça, t'es en automatique réelle. Tu passes ta marche arrière et ta marche avant, c'est ça? Ouais. Ah, c'est triste, hein. Mais oui, mais bon, avec un clavier, comment tu veux faire? Et avec mon autre volant qui fait du. Parce que j'ai un volant, hein. Mais bon, il s'est cassé très rapidement. C'est un Twistmaster 3 in 1. Enfin, 3 in. Ouais, c'est. Free in 1 ou 3 in 1. C'est un truc à ça, oui, c'est 3 en 1, mais c'est Twistmaster, c'est un truc. C'est un truc avec un logo Ferrari dessus. Comment dire? Je vous conseille de passer de la. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? C'est de la merde. Voilà. Y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Tu sais, t'as le gars après, il dit, j'aurais peut-être dû me taire, je vais peut-être l'enlever. Je sais pas. Non, je vais pas l'enlever. On est là pour donner son avis, on n'est pas non plus là que pour faire du gameplay, du gameplay, du gameplay. Je sais pas. Pourquoi j'arrive pas à dépasser les 80? Ah, c'est bon, ça veut bien. Je sais Parce que pas. t'as pas de chevaux, t'as pas de Quoi? chevaux. Bah si, j'ai le meilleur Scania. Comme moi, mais bon. Non, c'est deux fois, je sais pas. Disons que le clavier il est super sensible, donc j'appuie des fois juste un tout petit peu derrière. Et ça me coupe. 93. Allez, coco, 94. Ouais, ça te permet comme ça. En fait, tu passes en roue libre et après tu reprends tout de suite, comme ça tu perds jamais de vitesse. Mais par contre en montée, faut éviter de se mettre en roue libre, c'est ça? Sinon tu recules. Ah non, tu freines, ça te calme. Ouais, ça te Ça te calme, fait. mais s'il y a un. Désolé, mais une fois, moi, j'ai calé dans un machin, dans une montée, mais assez raide. Je l'ai redescendu, ta montée, hein. Si tu cales dans la montée, tu cales. Oh, purée, il pleut. Chez moi, il pleut un peu. L'appui, je l'ai baissé parce que sinon, on voyait rien, en fait. Et pour vous, je l'ai un peu baissé. Enfin, je l'ai baissé à fond. Mais c'est qu'avant, il y avait un bug aussi. Tu te rappelles, là, on a l'impression que c'était des bouts de feuilles qui tombaient. Et après, quand ça touchait à ton pare-brise, ça venait des vraies gouttes. Tu te rappelles le bug? Ouais. Eh, mais en fait, c'est cool. Parce qu'en fait, ma particularité d'être bavard, bah là, je peux vraiment utiliser. Parce que je peux pas laisser de blanc, quoi. Sur une vidéo, tu laisses pas de blanc. Tu parles, tu parles, tu parles. Faut être bavard. Merde! T'aurais pu me dire qu'il y avait un gars, j'aurais éteint mes pleins phares. Neuneu. Normalement, l'autre côté, il les voit pas. Normalement, ça les dérange pas. Il y en a encore un. Ouais, mais j'ai éteint là, j'ai éteint. Il y a cette lumière. Moi, j'ai. Et oui, mais les gars, comment j'étais sur la voie de gauche. Moi, j'étais. Lui était sur la voie. Sa voie. Bah, moi, j'étais. Ouais, sur la voie de gauche. Et lui était sur la voie en face de aussi de sa gauche. Enfin, pour moi, de ça. En fait, on était tous les deux à côté de la barrière. Donc, en fait, il y avait juste ce petit machin entre nous deux. Hop, allumé. On va plus. Par contre, à Paris, éteins tes plafonds parce que là, vraiment. Ah, putain, t'as le nez qui. Purée, pardon. Des gros mots. T'as le nez qui commence à se boucher, c'est. Chiant. Je dis tout et n'importe quoi, mais au moins je parle. Et c'est intéressant. Pourquoi t'as freiné, purée? Ah, moi j'ai pas freiné, c'est que j'ai eu un gros Oh, purée, bah oui, mais sauf que moi j'ai tellement camion. bien freiné. J'ai freiné, ça m'a fait partir. Ah oui. Hop. Oui, il m'a. Comment il a utilisé. Merde. Oh merde, c'est un convoi. Faut que j'éteigne. Là, c'est un beau convoi. Eh, c'est un beau Ouais, convoi, là. c'est comme ça. T'as vu, il y a combien de monde dans ce convoi? Il y en a encore après ou c'est bon? Non, après, il n'y en a plus. Ok.
Dites au moins une. Non, mais tu sais, si, il y en a un autre là. Un autre là, ouais. Ah, ouais, encore. Et t'as tes pleins phares. Parce que là, il y en a de tous les côtés. Et moi, tout à l'heure, t'en as un là, le premier, quand je lui ai mis les pleins phares aux yeux, il m'a fait un appel de phare. Et il m'a pas fait un appel de phare, il m'a fait un appel de clignotant. Tu sais, tu mets ton F rapidement. C'est aussi. Moi, une fois, c'est. Souvent, c'est. Alors, c'est. Quand t'es derrière le gars sur la même voie et que tu lui fais un appel de phare, le gars, des fois, il te renvoie l'appel de phare, mais vu que t'es pas devant, il te fait. En fait, il te fait un appel de warning. Tu sais, il te fait un appel avec les warnings pour te dire merci ou genre pour répondre quoi, pour bien t'avoir dit ok. Voilà. En voilà des convois. Attention, j'ai pas encore allumé mes trucs. Là, on s'approche de Paris, là, tu vas en avoir tout le temps. Et t'as pas vu qui c'est, tiens, en tête de convoi, des fois qu'ils sont un youtubeur? Non, c'était à part si. Mister. Attends, je crois que j'ai vu. Alors, si je dis pas de conneries. Mais purée, je crois que c'est ma fin parce que j'ai cru voir Mister Sandwich. Et je suis pas sûr qu'il s'appelait Mister Sandwich. Hein. C'est après, on va, dans les commentaires, on va se foutre de ma gueule quand ils vont regarder la vidéo. Ils vont dire ah, c'est ça, il s'appelait Mister Sandwich, c'est ça. Et puis quoi encore? Mais purée, dans la tête là, je vois le pseudo Mister Sandwich. Il y a plus de convoi, c'est bon? Pour l'instant, il y en a plus là. Non, il y en a plus. Je rallumais alors. Ouais. Mais il y a pas un endroit où est-ce que tu peux voir tous ceux qu'il y a? Si, tu appuies sur Tab. Et t'as les mettre et tu peux voir tout ce qu'il y a. Il y a que nous deux. Ouais, pour l'instant, il y a que nous deux. Ça, je crois que ça te prend un cercle de 500 mètres autour de toi. C'est tout. Je sais pas, toi t'as 156. Si, c'est 500 mètres hein, parce que j'ai déjà appuyé. Ah non, c'est peut-être plus. Ouais. C'est bon, les travaux sont sur le côté. Ça gêne pas. Ça gêne pas là. Enfin, je préfère pas m'y coller, mais c'est bon. Attends, je vais. Hop. Par contre, je me rappelle plus c'est quoi la touche que j'ai mis pour. Ah merde. Pour couper la vidéo. Ah, oh, c'est triste. Qu'est-ce que j'ai pu bien mettre? Attends, arrête-toi de jouer, s'il te plaît. Il y a un gars, regarde, il s'est fait ban parce qu'il faisait. Il bloquait à station service. Les ennemis, ils rigolent pas. Hein. Ça, je te dis, faut pas faire le con. Genre, l'opération tortue, c'est dangereux. Deux secondes, c'est juste, j'éteins mes plafards. Je mets mes feux de clignotant, je mets mon truc. Et c'est juste, je veux juste voir est-ce que ça enregistre bien. Ouais, ça enregistre, c'est bon, ils nous entendent. Et comment j'arrête, attendez, je regarde juste dans mes paramètres. Ça arrête pas le live. Vidéo, non, raccourci clavier. Ah oui, j'utilise Open Broadcaster si ça vous intéresse. Et c'est point d'interrogation. Ah oui, c'est ça. Point d'exclamation, c'est bon. Ok, donc je vous ai dit, j'utilise Open Broadcaster. Je reviens sur le jeu. Ouais, c'est bon. Et on peut y aller. Attends, hop. Bon, je vais essayer d'y aller mollo, moi. Attention, les travaux encore. Ouais, mais là, ce que je trouve dommage, c'est qu'au fur et à mesure des mises à jour, les travaux ils bougent pas. Ou même qu'ils utilisent un système où les travaux bougeraient tout seuls. C'est-à-dire tous les temps de jour, ou toutes les semaines, les travaux, il y en a qui c'est terminé, ou qu'on les voit un peu évoluer, genre. Il y a que les bruits, t'entends des fois, C'est un peu de bruit, quoi. Non, ça c'est quand tu touches la barre d'arrêt d'urgence. C'est un truc qui te réveille. Ça te permet de te réveiller. Dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est quelqu'un. Ça permet même de lui dire allez, on se réveille. Parce qu'il y en a, ils s'endorment au volant et quand ils tombent, en fait, ça se coule. Mais nous, on ne le sent pas. Mais en fait, dans la vraie vie, ça se coule le volant, mais genre incontrôlable, quoi. Le volant, tu peux même plus le tourner. Ça te le secoue, quoi. C'est fait exprès pour que les suspensions te secouent le volant, mais d'une force incroyable. Oh, bah, ça se coule pas trop non plus. Il faut quand même que tu puisses tourner. Oui, mais ça, ça se coule un bon coup, quoi. C'est fait pour. C'est bon, je vais pas rallumer mon plein phare. Tiens. Désolé pour les bruits bizarres. Mais bon, quand on est malade, c'est pas pratique. Déjà, je fais l'effort de faire ma première vidéo quand je suis malade. Zelo. Ouais. C'est 700 mètres, la limite. 700 mètres? Ok. Ouais, c'est à peu près. Ouais, c'est que t'as regardé avec table, c'est ça? T'as regardé. Ouais, puis t'as un rollback là, t'as eu un rollback. J'ai ralenti un peu.
Convoi à 300 mètres. Ok, j'éteins. T'as éteint tes phares, toi? Ouais. Parce que imagine. Parce que des fois, une fois, il peut avoir un admin dans un convoi ou un admin qui suit juste, qui est même pas dans le convoi, qui suit comme ça. C'est surtout au péage, faut faire attention parce que quand tu t'arrêtes, des fois, t'as pas le temps d'éteindre. C'est bon, après le convoi, là, c'est fini. Ouais, mais vu qu'on arrive sur un péage, je l'éteins, comme ça au cas où. Parce que des fois, le temps qu'on soit arrêté, il y en a un qui peut apparaître et qu'on le voit pas dans le péage. Là? Moi, j'arrête tout doucement. C'est bon. Par contre, je viens d'entendre ton jeu, mais on vient de. Bon, ça va, on l'entend pas tout le temps. Les petits bruits comme ça ne me dérange pas. Si c'est pas constant. Là, ça. Là, oh purée, mais elle est chère, les 71 euros. Imagine, tu pars en vacances. Genre, tu pars Dijon, tu vas. Je sais pas, tu vas voir ta cousine à Paris. 71 euros l'autoroute. Bah oui. Ah non, en fait, pour les gens normaux, ça serait plus 30 euros, mais c'est abusé quand même. 30 euros l'autoroute, mais bon. Parce que Non, j'ai oublié, nous on a une taxe en plus, vu qu'on est des camions. Tu sais, il y a la hauteur qui est calculée. Dans le la vraie poids. vie, ouais, je Le crois que. poids et le nombre de roues. C'est le poids et le nombre de roues qui comptait. Ouais, et puis t'as des détecteurs. Et le DPH, il s'occupe de tout. Nous, on utilise un. Bah, moi, comment. Famille, elle utilise un télépéage. Enfin, le télépéage, c'est pratique, c'est pourquoi? Parce que quand t'es sur une. Non, quand t'arrives sur une aire d'autoroute, tu sais, tu te faufiles et tu vois, tu sais, les trois queues énormes, puis tu passes dans la zone 30 TPH tranquille. Tu passes. T'as envie de leur faire. Tu vois les gars, tu sais, ils vont y passer, genre, tu vois, et ils vont rester des heures, toi, allez, tu mets 10 minutes à passer, tu sais, le temps de te faufiler dans la. Parce que quand t'arrives, ça, il y a quand même le bouchon avant d'arriver au TPH, donc tu te faufiles dans le bouchon et après tu sors. Le but du jeu, c'est de repérer. Genre, si tu repères que les TPH sont à gauche et que tu te faufiles à droite, t'es dans un peu dans la crotte parce qu'en fait, t'es du mauvais côté. Ah, on Non, se. sur le convoi. Oui, bah, on est en ville, neuneu. On est en ville. Ah merde, oui. Allez, avance D'ailleurs, un peu, s'il te plaît. T'es au milieu de la route, là, avance. là, j'ai un gros rollback, si tu veux comprendre. C'est bon, c'est parti. Attends, je rallume mes phares quand même. Et là, tu vas livrer où, toi? Je vais te dire ça, attends. En plus, ça m'évite d'allumer mon deuxième GPS. C'est pratique. Parce que là, tu sais, j'allume juste le GPS pré-intégré. Ça fait vraiment plus truc. C'est 50. Bon, je vais rien dire, c'est 50, mais moi, je roule à 60. Et Paris, c'est joli. Il pourrait mettre une usine là, en plus. Ça aurait été bien. C'est un peu plus loin. Tu vois où c'est ou pas? Là. Comme ça en Ouais, regardant. c'est tout en haut. Ah oui, c'est BBC. Ah merde, non, 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 je me suis gouré. Punaise, et puis ça bloque. Continue tout droit. C'est au prochain qu'on tourne à droite. Mais t'es dedans, gros con, t'as avancé. Mais non, je me suis gouré. Attention. J'ai pas le livre. Hey, en fait, lui, t'a envoyé move, hein, il parlait de toi. Bouge-toi, il t'a dit. Attention, débile. Attention, débile. Hop, c'est bon, je te suis. Attention, débile. C'est Je ça? peux. Bah, le gars. Oh, bah, j'ai un GPS, mais je me gourre quand même. J'ai encore un défaut, tu vas me dire que je suis un râleur, mais c'est vrai qu'il y a encore un défaut. Ça serait trop stylé si le GPS y parlait, genre tourner à droite dans 500 mètres, tourner à gauche. C'est un truc marrant. Et même qu'on puisse configurer, genre je t'envoie des fichiers MP3, et genre t'entends la voix de ton pote, genre hé le bolos là, non, fais demi-tour, dépêche-toi, je vais te mettre une patate, mon gars. C'est marrant. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Je sais. Ça lag un peu, je le sens. Oh non, il y a encore ils ont encore rééteint les feux. Il y a dû avoir des bugs avec les feux. Ils ont encore rééteint, t'as vu? Ils font clignoter. Dans les grandes villes, ils font clignoter. Et je sais pourquoi. C'est que ça fait plus laguer, je crois. Et pour éviter les lags, ils les éteignent. Bon, par contre. Fais attention, faut respecter. Hein, t'as cédé le passage. Tu dois laisser le passage aux autres. T'as vu? Personne du coup. Quoi? C'est con, mais je vois personne.
Là, il va Non, prendre j'ai mon un avis. bug par contre. J'ai configuré mes touches à l'envers. Le 6, en fait, il me montre à gauche. Et le 4 du pavé numérique me montre à droite. Ah, c'est bête. Mais en plus, je suis pas. Oh! C'est quand j'ai reconfiguré mon. Après le volant. Quand je l'ai. Quand mon volant a commencé à bugger, j'ai reconfiguré les touches. J'ai dû reconfigurer à l'envers. Pardon, je ne vois pas mettre ma main devant la bouche. Non, vous n'allez pas m'entendre. On a fait une be belle vidéo, il n'y a pas de blanc, au moins. Oh putain, j'y arrive plus à démarrer mon truc. Bah, tu te répares, non? Ben non. Désolé, petit bug. Dans sa rentrée là, je suis vraiment désolé. Allez, salut à tous et à la prochaine vidéo!